Bonjour, bienvenue à la chaîne Varoise, au domaine de Montrieux-le-Vieux. Que veut dire Montrieux ? Alors Montrieux, c'est le mont aux petites sources en Provençal. Ce que vous voyez derrière, le lac, en est un peu le symbole. Il est alimenté par quatre sources et un cours d'eau. Et il se verse dans un cours d'eau, le Gapot. Donc c'est pour ça que ce n'est pas un étang, mais un lac. Et en effet, le domaine et son élément principal est l'eau. De partout coule l'eau. Quelle est l'origine du domaine ? Alors l'origine du domaine, si vous voulez, je vous invite à aller le visiter. On va monter un peu plus haut dans la partie historique. Donc derrière, devant moi, vous avez la salle du Jardin des Fels. Donc l'histoire, je vais vous la relater dans quelques minutes. Je vous invite à y pénétrer pour visiter la partie historique. Donc nous allons traverser la salle Eiffel pour aller voir ce rocher historique qui est tout l'origine du domaine et de la vallée du Gapot. Alors le rocher que nous voyons derrière est une véritable forteresse facile à protéger, de l'eau sur le domaine, ce qui explique que depuis la nuit des temps, les gens se sont installés ici et ont construit au fil des siècles la chartreuse que nous allons voir tout à l'heure. Mais avant cela, je voulais vous présenter l'espace du jardin d'Eiffel. Pourquoi Eiffel? Ah bien écoutez, je vous y invite justement à la visiter et je vais vous en raconter un peu l'histoire. Alors, nous sommes ici dans la salle Eiffel, qui porte son nom du célèbre architecte, parce que dans les années 1900, c'était un haut lieu de la restauration des hôtelleries. Des gens illustres comme Pagnol, Rému, venaient s'y reposer et y festoyer. Aujourd'hui, c'est une salle de mariage et qui ouvre sur un théâtre de verdure que nous allons également visiter. Alors là, ici, nous nous trouvons dans la chaîne chartreuse de Montrieux-le-Vieux, qui date de 1156, qui est constituée de trois corps de bâtiments, salle romane, galerie Saint-François, derrière nous avons la chapelle que nous allons voir, et cette ruelle, donc, qui date de 1156. Alors nous sommes ici dans la galerie Saint-François, donc tous les dimanches nous mettons cet espace et deux autres après que nous allons voir à disposition des artistes puisqu'on développe tous les dimanches une activité bien-être, art et culture. Nous nous rendons maintenant à la chapelle. Donc nous pénétrons dans la chapelle, monument historique de 1156, donc vous allez voir l'acoustique exceptionnelle. Nous avons rénové entièrement cette chapelle et de l'acoustique exceptionnelle, nous invitons tous les dimanches des musiciens, des chanteurs à venir chanter et s'exprimer. Donc tous les dimanches, restaurant, art et bien-être. Alors sur ce bâtiment ici, nous avons un projet de piscine intérieure, hammam, puisque c'est le projet en développement que je vais vous reparler dans quelques minutes. Alors, nous avons repris ce domaine en 2013, il était fermé depuis 10 ans. Alors aujourd'hui, c'est une activité de mariage, d'anniversaire depuis 3 ans, puisque nous avons tout rénové. Depuis l'année dernière, nous avons lancé ce restaurant art et bien-être tous les dimanches. Aujourd'hui, nous développons l'activité séminaire, mais surtout, nous lançons un grand projet d'acquisition et de développement qui consiste à faire du lieu un centre de bien-être et de mise en forme pour sportifs de haut niveau. Ce projet d'acquisition et de développement, justement, je cherche à ouvrir le capital à un certain nombre d'associés, de petits porteurs. Donc il suffit d'avoir un peu 4 000, 8 000, 12 000 ou plus à placer et ça va être très intéressant puisque nous ne sommes pas seulement sur de l'acquisition, mais sur un vrai programme de développement durable. La rentabilité va être, je vais dire, exceptionnelle puisqu'aujourd'hui, nous avons la chance d'acheter les murs à un prix beaucoup plus bas que sa valeur. Également, notre progression de chiffre d'affaires permet d'envisager d'une manière certaine, sans risque, une progression de plus de 15% par an et 60% d'ici 3 ans, avec une garantie puisque nous achetons les murs, mais également il y a la fonction commerciale, l'activité commerciale dedans. Donc aucun risque et grosse rentabilité. Je vous attends le 4 et 5 octobre, mais avant cela, il est impératif de s'inscrire sur le site domaine-de-montrieux.com. Merci à vous.